Dans cette vidéo, 80 joueurs de foot vont devoir essayer de marquer des buts du niveau 1 au niveau 100. Les premiers buts sont évidemment hyper simples, mais plus on avance et plus ça devient compliqué, jusqu'à des niveaux extrêmement durs et surtout jusqu'au fameux niveau 100 s'ils arrivent jusque là. Et oui, pour chaque niveau, tous les joueurs ont un seul essai. Si tu marques, tu passes au niveau suivant, mais si tu rates, t'es éliminé du jeu. On fait comme ça pour chaque niveau jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul joueur qui sera le grand gagnant et qui remportera la somme de 1000 euros. Ça peut donc s'arrêter à tout moment, tout dépend des joueurs. En tout cas, tout le monde a sa chance. Et que vous aimiez le foot ou pas, vous pouvez totalement regarder et kiffer cette vidéo, bien sûr. Bref, qui réussira à aller le plus loin et jusqu'à quel niveau, c'est parti. Et on commence de suite avec le premier but, le niveau 1. Donc tout simplement, c'est très simple. Au point de pénalty, il faut tirer, marquer, sachant qu'il n'y a pas de goal. C'est quand même vraiment simple, ceux qui ratent, c'est franchement vraiment honteux. Donc les gars, c'est parti, niveau 1, tu peux commencer. Si tu le rates en premier, c'est dur. Et première réussite, ça enchaîne vite avec le deuxième. Oh là là, c'est tenté, c'est osé. Et ça passe. Quelle force dans cette frappe. Oh, c'est osé, c'est un beau but ça. Peut-être le plus beau pour l'instant du niveau 1. Bon, évidemment, pas de problème sur ce niveau 1, très facile pour les 80 participants qui ont tous réussi en mettant globalement le même tir. Ce bon vieux plat du pied sécurité, on a vraiment assisté à une sécurité exemplaire là. Bon, le dernier, c'est vraiment la pression maximale. Là, s'il rate, c'est devant sous les yeux de tout le monde. Et ça passe. Incroyable, oh, c'est beau. Écoutez, tout le monde valide le niveau 1. Niveau 2, cette fois-ci, c'est les mêmes tirs sans gardien, mais à l'extérieur de la surface. C'est un peu plus dur déjà. On va voir ce qui se passe. Allez, bon courage. Ça valide. En vrai, ça change un peu quand même. T'as bien 3-4 mètres en plus quoi. Niveau 2 aussi, très facile pour les participants, même si ça commence déjà à se corser un petit peu pour certains. Et pareil, est-ce que ça y va? Oh ça! Oh si, ça y va aussi. Ça y va aussi. Là, tu recules de 3 mètres, c'est fini pour l'instant. Oh non! On a le premier raté de la vidéo. On a le premier raté de la vidéo, c'est terrible. Deux. Comme tu veux, hein. Tu tentes la mine, non? Il tente la minasse. Oh là là, il a tenté. Eh, gros bravo, franchement, c'était osé. On a donc nos deux premiers éliminés, le numéro 60 et 79. Pour tous les autres, c'est la qualification pour le niveau 3. Quel rêve de gosse pour eux, ils avaient tous les larmes aux yeux. Niveau 3, cette fois-ci, un nouveau penalty, sauf qu'il y a un gardien, mais c'est un mannequin, un gardien immobile. Faut quand même ne pas tirer dessus. Alors, tu peux aussi tenter de tirer très fort et de dégommer le mannequin, mais à tes risques, c'est pareil, quoi. Ça peut être risqué de tirer très fort, quoi. Et ça passe. Déjà, tu vois, ça oblige un peu à tirer sur le côté, donc faire des ratés, là. Je pense que ça commence à augmenter un peu au niveau difficulté, quoi. Ouais, c'est beau. Tu vois, c'est déjà un peu moins des petits tirs, quoi. On pourrait croire que c'est un vrai gardien tellement irréaliste, mais non, non, c'est bien un mannequin qui a tout de même posé des premières difficultés pour certains participants. Oh, oh, il avait tenté. Le gardien qui s'est troué sur ce tir. Oh, oh là là. Oh, 58, énorme paire de couilles. C'est prouvé en direct sur YouTube. J'ai l'impression d'être Denis Brognard dans l'épreuve des poteaux. Immobile, il fait un pendant 4 heures. Au final, un seul éliminé pour ce niveau 3. Et pour le niveau 4, c'est la même chose en rajoutant un mannequin en plus dans les cages. Voici une très très bonne remarque ultra pertinente à ce sujet d'ailleurs. Je pense que c'est quand même un peu plus technique quoi. Enfin, forcément, c'est plus dur quoi, c'est le but. Il y a eu beaucoup de frappes assurées entre les deux mannequins pour la majorité des joueurs. Mais ils poussent quand même à prendre certains risques pour les participants. Et là, le mannequin, il se réveille, il plonge. Oh, oh là là. Oh là, la pression. Bien sûr. Oh, oh, le raté. Et je récupère la balle. Oh là là, et quelle frappe, quelle frappe passe. Et les mannequins qui sont deux frères jumeaux, comme vous avez pu le remarquer, hein, ils se ressemblent énormément. Ils ont commencé à se réveiller en plein match, le temps de s'échauffer un peu. Oh là là. Oh, ça s'est joué à rien. Oh ça. Oh, c'est raté, c'est terrible. Oh, c'est terrible, quel arrêt réflexe du gardien. Premier arrêt des mannequins, je suis très heureux pour eux. Oh là là. Deuxième. Oh là, c'est terrible, le numéro 64. Oh là là, quel arrêt radé, le mannequin, il est fou là. Le Lillois, la France est représentée avec toutes les régions ici, c'est beau. Oh. Et ça passe pas. Coup dur pour le Lillois, numéro 69, ah, c'est terrible. Au total, 4 éliminés en plus pour ce niveau 4. Il reste donc 73 participants. Le temps pour les mannequins de boire un peu d'eau et pour moi de mettre une casquette, prends ça le soleil. Et on est reparti pour le niveau 5 avec 3 mannequins cette fois-ci. Ça commence à bien se corser pour certains. Ça a commencé très fort, je pense. Oh là, ça passe. Ça va devenir assez chaud. Et pendant que vous regardez les meilleures actions de ce niveau, je vous parle en même temps d'un bon plan pour vous, pour regarder tous les matchs de la Ligue des Champions, mais aussi toutes les compétitions européennes gratuitement. Alors oui, c'est possible, c'est grâce à NordVPN, le sponsor de cette vidéo. Merci à eux. Oh! Oh non, c'est terrible. Numéro 39. De base, vous connaissez NordVPN, c'est un VPN qui vous permet de protéger vos données quand vous surfez sur Internet. Ça vous protège à la fois des publicités, des trackers et des logiciels malveillants. Et donc, si vous êtes fan de foot et que vous voulez rien rater de la saison qui arrive, eh ben c'est possible. En fait, avec NordVPN, vous pouvez vous géolocaliser dans un autre pays, ce qui permet donc d'accéder à des contenus qui sont bloqués en France. Oh. Oh, ça passe.
Oh, ça passe, bravo. Par exemple, chez nos frérots belges et suisses, les compétitions de foot, elles sont diffusées gratuitement, mais que si t'es sur place. Et donc avec NordVPN, tu peux changer ta localisation, ce qui te permet d'avoir accès aux sites de chaînes qui diffusent les plus grands matchs gratuitement. Et ça, ça régale un maximum parce que tu peux regarder tous les matchs que tu veux. 59 ans. Oh non! C'est le même principe que pour les films et les séries. Par exemple, j'ai pu regarder le dernier Avatar sur le catalogue américain d'une plateforme de streaming depuis chez moi directement, juste en me localisant aux États-Unis. Donc voilà, si vous voulez profiter de tout ça, c'est le moment parfait parce que vous avez une offre exceptionnelle avec le lien en description. Vous avez 4 mois gratuits sur l'abonnement 2 ans de NordVPN. Oh! Ça se joue à rien, je pense qu'Allier quand même. Allier, c'est validé? C'est validé à la prod, ça se joue à rien. Un grand merci à eux, et pendant ça, on a eu 4 éliminés en tout pour le niveau 5. On passe de suite au niveau 6 qui a changé beaucoup de choses, vous allez voir ça. On passe au niveau 6, cette fois-ci, à l'extérieur de la surface, vous devez marquer sans rebond jusqu'au but. Si un rebond et qu'il y a but, ça ne passe pas. Allez, sans rebond, c'est parti pour le numéro 1. Et ça passe. Ça se corse, je pense qu'il va y avoir plusieurs éliminés dans cette manche-là. Ouais, ça passe. Parce que là, ils sont obligés de tenter un petit peu, quoi. C'est pas la petite frappe par à terre, c'est moins du plat du pied sécurité, quoi. Oh, oh non, le rebond avant. À coup dur pour le numéro 4, il est éliminé. Oh non, c'est terrible. Élimination du niveau 5 aussi. 4 et 5, ça dégage. Merci quand même. Oh là là, quelle hécatombe, c'est terrible. Le numéro 6 aussi, c'est terrible. Oh là là, c'est terrible ce qui se passe. Ce niveau extrême, le niveau 6, restera dans l'histoire de la série. Qu'est-ce qu'il fait? Non! Mais qu'est-ce qui se passe? Il reste plus personne dans la vidéo! Alors oui, ce niveau 6, ça a été un énorme massacre. J'ai peur que la vidéo soit interdite au moins de 18 ans à cause de ça. En fait, ça a poussé beaucoup de participants à tenter des tirs en force pour éviter les rebonds. Et du coup, c'est forcément plus dur niveau précision dans ces cas-là. Oh! Oh, incroyable! Incroyable! Le soutien est beau, j'adore cette ambiance. Là, il manque juste du 4-4. Vous savez, comme il y avait quand on faisait des matchs de foot à l'époque. On a même assisté à une scène qui n'a lieu qu'une fois par siècle. Donc régalez-vous, hein. La prochaine fois, ce sera en 2130. Allez, c'est fait, frérot. Oh non, la transversale! Oh non, encore une transversale! 2 transversales d'affilée! Oh, encore une transversale, mais non! 3 transversales d'affilée, non! Oh, c'est terrible! Oh, la malédiction de la barre! Oh, mais non! Incroyable! Oh, c'est fou ce qu'ils ont. Oh, cette manche 6, les gars, elle est incroyable. Oh, mais la transversale, c'est fou quand même. Là, on fait un crossbar challenge, il y a que des gagnants. Et des tirs ratés comme ça ou avec un rebond, il y en a eu malheureusement énormément. Avec un seul essai, c'est pas toujours évident, faut vraiment s'appliquer. Au total, cette manche, ça a été un vrai gros tri avec 40 éliminés. Il reste donc 31 participants. Évidemment, ça veut pas dire qu'il y aura encore plus d'éliminés à la prochaine manche. La difficulté des niveaux, c'était parfois dur à jauger. En tout cas, la compétition devient encore plus belle à partir de maintenant. Ok, on passe au niveau 7. Alors, cette fois-ci, c'est un tir à 30 mètres, mais vous pouvez faire un rebond comme vous voulez, à terre, peu importe. Mais il faut marquer un but à 30 mètres des cages. Ils sont plus que 31, ça va vite, hein. Et c'est validé. Il tape ensuite un marathon pour aller chercher la balle, c'est beau. Ouais, c'est validé aussi. On se fait bien chier sur cette manche, attention. On veut l'entertainment là. Et... oh non, c'est terrible. Numéro 20, malheureusement éliminé. Ah, ça s'est joué à pas grand chose. Oh. Oh là là, c'est juste au-dessus. C'est juste au-dessus, c'est malheureusement éliminé. Désolé frérot, mais bravo d'avoir tenté en tout cas. Ceux qui tentent comme ça, franchement, gros respect à eux. Tous les autres joueurs ont réussi à le mettre, donc on a eu au final seulement 2 éliminés pour ce niveau qui n'était pas le plus marquant. Je pense pas qu'à votre prochaine soirée entre potes, vous serez assis autour d'une table pour parler du niveau 7 de ma vidéo. Par contre, vous parlerez peut-être du niveau 8 qui a une grosse difficulté en plus. Un vrai gardien dans les cages, les participants doivent lui marquer un penalty pour se qualifier. Et ça passe. Oh, quelle frappe. Quelle frappe, c'est beau. Niveau 2. Oh, l'arrêt! C'est terrible! Oh, ça a arrêté aussi! Oh, la frappe également, l'arrêt! Il y a 3 éliminés, ça salue en plus le gardien, quel fair play. Ça me donne envie de chialer, ça. Le petit frère, oh putain, le numéro 24. Je connais pas. Ouais, c'est qualifié. On fera quand même un test ADN pour prouver qu'on n'est pas frère à la fin de la vidéo. On avait 3 gardiens en tout pour ces pénaltys qui alternaient pour faire un tiers des tirs chacun. Évidemment, ils avaient le même niveau, ça restait juste pour tout le monde. On rappelle la devise de cette vidéo: partage, fair play, foot de rue. Ah, ça passe au-dessus. Ça passe au-dessus, malheureusement. 4. Oh, le poteau, dommage. Ah, ça se voit rien. Ah, ça se voit rien, je suis dévasté. Désolé, frérot. Oh, 67, gros sourire. Vous êtes potes? Pas du tout. Ah, ok. Autant pour moi. Mais quelle amitié qui vient d'être nouée. Oh là là, incroyable. Incroyable. Le dernier a malheureusement raté son tir. Faut dire que c'est pas évident de finir devant tout le monde, il y a plus de pression. Beaucoup de joueurs ont perdu en tout cas, il y a eu au total 11 éliminés sur ce niveau, je suis anéanti. Je vais sûrement me faire tatouer leur prénom sur le bras en guise d'hommage. Ils sont donc 18 participants encore dans la course. Bien sûr, on est peut-être très loin de la fin, ça veut rien dire évidemment. Ils peuvent encore aller jusqu'à des très hauts niveaux pour les plus chauds, tout est possible, même le niveau 100. Bref, avant de voir ça, on se concentre déjà sur le niveau 9 qui est assez original. Il y a une boule de yoga attachée à un fil qui se balance dans les cages. Il faut réussir à marquer un penalty malgré cet obstacle et sans tirer à ras de terre. Ça fait très jeu vidéo ce niveau, j'aime bien.
Et ça passe largement, bien sûr. Poste du numéro 1 au numéro 16. Hein. Et ça passe aussi, pas de problème. Oh non, c'est au-dessus. C'est au-dessus pour le numéro 30, malheureusement. Oh, oh, ça passe. Ça passe, ouais, c'est rentré. Oh, la transversale aussi. Oh non. Ah, vous êtes transversale la plus rentable de l'histoire de YouTube. Et même du foot en général. Au final, il y a eu 3 éliminés à cause de cette grosse timpe de boule de yoga, comme l'appellent les perdants. On dit donc au revoir au numéro 30, 67 et 68. Les 15 gagnants se qualifient, eux, pour le niveau 10, où ils doivent marquer un but de 30 mètres en étant excentrés sur le côté droit. Je vous la résume entièrement en voix off, celle-là, parce qu'elle était finalement plutôt simple pour les joueurs. Ils savent qu'ils sont plus que 15, donc chacun d'entre eux a sa chance de gagner la compétition et les 1000 euros. C'est motivant pour tout donner et être bien focus sur son tir, donc il n'y a eu aucun problème. Il y a juste le numéro 71 qui a raté sa tentative en tapant cet enculé de poteau droit, comme il est appelé à juste titre après son tir. Tous les autres sont donc qualifiés pour le niveau 11. Le niveau 11, cette fois-ci, c'est un tir à l'extérieur de la surface. Il y a un gardien, mais il n'a pas le droit aux mains. Il peut arrêter avec la tête, les pieds comme il veut, mais pas les mains en tout cas. C'est parti, numéro 1, c'est à toi. Oh ! Aïe, 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 le poteau ! Ouais, c'est validé, bravo. Il y a la pression, je vous jure, c'est dur. Ça peut paraître simple, mais pas du tout. Oh, c'est arrêté! C'est arrêté avec le pied, c'est conforme. Ouf. Oh, ça passe, très grosse chiche. On change de gardien, c'est comme la dernière manche évidemment. Encore une fois, trois mêmes niveaux, vous inquiétez pas. Oh non! Oh non, je suis anéanti. 32, ouf! Malheureusement. Ça passe pas, on confirme, c'est pas rentré. Elle est dedans? Non, à ce qui paraît, elle est dedans, incroyable. Bah t'es qualifié, bravo. On change de gardien, le 47, il en reste plus que 4. Ça tire et ça passe, inarrêtable. Sans les mains, c'est inarrêtable. Le dernier gardien a ensuite enchaîné avec 2 arrêts avec les pieds. Un premier pour le numéro 66 et ensuite pour le numéro 78 qui a raté également sa frappe, le coup dur est dur. On a eu au total 7 éliminés dans cette manche. La compétition s'intensifie donc avec seulement 7 rescapés pour le niveau 12. Pour le coup, le niveau 12 n'a posé aucune difficulté aux participants. Il devait tirer un pénalty sans gardien mais avec les yeux bandés. Ce qui est très perturbant, c'est peut-être dur de le capter comme ça, mais en fait on perd vraiment ses repères. En tout cas, ça m'a permis de réaliser un énorme prank avec la complicité de toute mon équipe. Aïe aïe aïe, c'est raté, non, je rigole, ça passe. Bravo, ça passe pour le numéro 16. Pour tout le monde, ça n'a pas posé de problème. Ils étaient bien concentrés et ont fait quasiment le même tir. Il n'y a eu aucune frayeur. Tous les joueurs sont donc qualifiés pour le niveau 13 où ils vont devoir cette fois-ci se lever la balle pour ensuite faire une reprise de volée. Ils ont le droit de jongler avant ça s'ils veulent, bien sûr. Ça devient déjà plus technique. Avec un seul essai, il faut être bien adroit. On commence avec le numéro 16. C'est parti, yes. Quelques petites jongles. Et c'est au-dessus. Et c'est au-dessus, malheureusement. Et là, est-ce que ça passe? Ça passe! Ouh là là, la petite pression quand même, hein. Numéro 24. Il la lève tranquillement, il assure, pas de soucis, c'est bon. Pas loin, mais c'est assuré, bravo. Ouais, bien, c'était osé, hein. Nickel, c'est qualifié en tout cas. 37, c'est bien aussi. Oh, bravo, magnifique, la plus belle. 47, non, ça passe à côté! Ça passe à côté, aïe 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 aïe. Encore la faute du poteau droit, quel connard ce poteau droit. Ah non, c'est pas sa faute. En tout cas, ma droite du poteau droit, ça part quand même de lui, hein. Ouais, c'est qualifié aussi. On a perdu 2 soldats. Ils sont plus que 5 pour le niveau 14. C'est parti. Cette fois-ci, c'est le retour des mannequins. Ils étaient dévastateurs. Pour l'instant, un seul mannequin. Et il faut marquer un but à l'extérieur de la surface. Avec toujours un seul mannequin pour l'instant. Numéro 19 qui commence cette fois-ci. Bon courage. Fais gaffe aux mannequins. C'est un sacré bâtard celui-là. Oh non! Le poteau qui sort! Le poteau qui sort! Et un seul mannequin suffit à déstabiliser tout le monde. Oh, ça passe, mais c'était pas loin du mannequin aussi. Le 29, faut juste s'assurer. Faut assurer, nickel, pas besoin de plus. Et déjà le 32, ils sont plus que 4, ça va vite. Hein. Vous souvenez de l'époque, il y avait 80 personnes qui tiraient là. Ouah, ça date. Ça date de fou. C'est qualifié, bravo. Et le dernier, le 65. C'est assuré aussi, bravo. Il reste donc que 4 joueurs pour ce niveau 15. Cette fois-ci, c'est la même chose, mais avec 2 mannequins dans la cage. On s'en rappelle, ça avait posé problème sur les pénalties à l'époque. C'était l'époque où j'avais pas de casquette et 3 coups de soleil en moins. Regardez comme je faisais jeune sur ce screen, c'est fou. Bref, en tout cas, aucun problème pour les 4 participants. C'est le numéro 24, 29, 32 et 65 qui marquent chacun leur but en esquivant facilement les 2 obstacles. Ils passent donc au niveau 16 avec cette fois-ci 3 mannequins dans les cages. On a eu droit tout de même à 2 petites frayeurs sur ce niveau. Une première pour le numéro 24 qui tape le mannequin, mais ça passe quand même.
Et pareil pour le numéro 32, le mannequin qui n'a pas su l'arrêter, il était clairement sorti de son match après une embrouille avec sa meuf qui lui a pris la tête. Bref, on a donc une qualification des 4 joueurs pour le niveau 17. Niveau 17, cette fois-ci radé. Il y a une armée d'anciens participants qui ont perdu malheureusement, qui sont au cul rouge dans la cage. Le but, c'est pas de mettre un cul rouge justement, c'est de marquer un but et donc que ça aille au-dessus d'eux. Cette fois-ci, grande subtilité pour la vidéo, vous n'avez pas un seul essai mais 2 essais. Donc si vous le ratez, vous pouvez quand même retirer et retenter votre chance. Vous êtes plus que 4, on a instauré ça. Écoutez, j'adore ce niveau et c'est parti maintenant. Quelle pression. Oh là là. Attends, mais le but c'est de marquer hein. Faut marquer frérot. Est-ce qu'il va réussir là? Ah non. La transversale, élimination du numéro 24. Le mur du cul rouge qui a gagné, bravo les gars. Oh la transversale, transversale, deuxième essai. Oh c'est fou ce qui se passe. Et je pensais pas que ça allait être aussi dur ce niveau. Concentration. Ça passe, bravo. Qualification du numéro 29. Si les deux derniers perdent, ils gagnent la vidéo. Donc attention à du gros suspense là. Le 32. Oh là là, oh ça passe. Ça passe. S'il perd, on arrive en finale avec que deux participants. Le 65. Et ça passe, bravo. Qualification, niveau 18. Ils sont plus que 3. C'est quasiment. C'est la demi-finale même carrément. Cette fois-ci, c'est un penalty, mais pas dans les grandes cages. Regardez, il y a une petite cage au milieu. Il faut réussir à la mettre dans la petite cage. Et cette fois-ci, comme ils sont plus que 3, ils ont le droit à 3 essais. Et donc c'est parti. Je te laisse commencer le numéro 29. Voilà, suspense là. Ça peut se finir ici, à tout moment ça se finit. Et c'est validé, bravo. Qualifié. Si les deux prochains perdent, ils gagnent la vidéo. Le 32, plat du pied sécurité, ça passe aussi. Non, ça passe pas. J'adore animer ça, j'aimerais bien commenter des matchs de foot en fait. Si Canal, Bein, RMC, comme vous voulez, vous voulez me faire commenter des matchs de Ligue des Champions, je suis trop chaud. Plat du pied, ça passe. Au tour en 3, magnifique. C'est qualifié, c'est beau. C'est vrai qu'il y a vraiment tous les participants qui ont perdu juste derrière, qui arrivent tout le monde. Et 65 d'ici là, ça se qualifie, bravo. Magnifique, les 3 passent au niveau 19 déjà, c'est maintenant. Niveau 19, cette fois-ci ça peut être très dur. Regardez, ils sont tous là-bas au milieu de terrain. Ils doivent marquer en tirant du milieu de terrain. Après, il peut y avoir des rebonds à ratière comme ils veulent. La cage évidemment est vide, faut juste marquer du milieu de terrain. Je sais même pas s'ils m'entendent, mais c'est parti, tu peux tirer. Et avec 3 essais évidemment. Le tir. Arrêtez, ça me gêne. Arrêtez, ça me gêne, arrêtez. Allez, malheureusement, c'est raté le premier essai, c'était assez loin. Est-ce qu'il va réussir là? Ouais, aïe aïe aïe, je pense que ça va être trop loin malheureusement. Ça sort aussi ses derniers essais. Est-ce que ça va le faire? Quel suspense. Ah, malheureusement, ça part mal. Ça part mal malheureusement. C'est éliminé, alors il a quand même une chance. Si les deux prochains ratent aussi, et bah forcément il recommence jusqu'à ce que quelqu'un réussisse. Donc pour l'instant il est éliminé, mais il peut être repêché après, on va voir ça. Et ça part un peu sur le côté malheureusement je pense, ouais. Ça part à gauche du cadre. Oh non c'est filmé, merde. Oh c'est filmé, fait chier. Bon bah on le diffusera sur YouTube alors, ok. Allez, deuxième essai. Ça part bien. Et ça part plutôt bien. Ça part plutôt bien. Et ça passe. Ça passe, incroyable. Qualification et malheureusement, le numéro d'avant qui est éliminé. Numéro 32 pour l'instant est le gagnant. C'est le numéro 65 le rat. On va voir ça. Est-ce que ça passe? Oh non, le poteau! Oh le poteau, il reste plus que 2 essais. Plus que 2 essais, sinon le numéro 32 gagne. Oh, quel suspense. Est-ce que le niveau 19 va être le dernier niveau? Oh, j'ai envie que ça continue, moi, évidemment. Ah non, ça part trop à gauche. Dernier essai. Et il y a du coup, je suis avec le numéro 32, Faiz, qui pour l'instant est le gagnant. Il reste qu'un seul essai pour le numéro 65. Donc si la rate, tu gagnes. La vidéo, elle est nulle. Et ça sort. Ça sort la victoire du numéro 32. Faiz, les gars, qui gagne la vidéo. Incroyable. Incroyable. Putain, et bravo. Attends, mais en plus, tu me disais... En fait, je parlais un peu avec les candidats entre les niveaux. T'as pas fait de foot en club, toi? Non, j'ai jamais fait. J'ai super. Bravo. Super. Bravo, putain, c'est joué à rien, mec. Hein. Et évidemment, il y aura sûrement un épisode 2. Parce que là, il y a plein de niveaux qu'on n'a pas fait. On s'est arrêté au niveau 19. On avait vraiment prévu les 100 niveaux. C'est pas dans cette vidéo, mais peut-être que si la vidéo vous plaît, on fera une suite. On reprendra du niveau 1. Mais on ira peut-être au niveau 20, niveau 25, que vous avez pas vu là. Peut-être même jusqu'au niveau 100. Vous verrez tous les autres niveaux avec d'autres challengers. On verra s'ils pourront aller plus loin, justement. Ça peut être vraiment le début d'une belle série. Moi, je suis vraiment content parce que je voulais pas du tout que ce soit une vidéo où les favoris, ceux qui ont fait plein de foot en club, gagnent forcément la vidéo. Et ça qui est trop cool, quoi. C'est vraiment même les personnes qui de base n'étaient pas favorites peuvent aller loin et même gagner. Et bah, trop bien, t'es content du coup, les 1000 balles, c'est pour toi. Ouais. Trop bien, ça régale. Et bah écoute, j'espère que tu en feras bon usage. J'espère que t'es content d'avoir gagné la première édition de cette vidéo. Ça régale. Ouais, c'est cool. Et bah écoute, merci à toi. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, ça fait grave plaisir. Merci bien sûr à tous les participants. Merci à vous. Vous pouvez vous applaudir évidemment.
vraiment des cracks. Merci aussi à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle évidemment avec le lien en description, vous avez 4 mois offerts sur l'abonnement de 2 ans. Évidemment, il y a plein d'avantages que je vous ai dit dans la vidéo, donc n'hésitez pas à y en profiter dès maintenant, c'est en description. Bref, voilà, merci à tous. Évidemment, cette série reviendra sûrement avec un épisode 2. Merci à tous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Et merci à tous encore. Et bravo au crack, au premier gagnant incroyable.